Cette revue de presse nous sera présentée par Diane Bonga. Diane, bonjour. Bonjour, Grâce Maillot, bon après-midi. Bon après-midi à toi aussi, Diane. CAN Côte d'Ivoire 2023, Lionel Passy envoie la RDC en quart de finale au terme d'une séance des tirs au but. Des journaux parus ce lundi 29 janvier 2024 reviennent sur la victoire des léopards de la RDC sur les pharaons de l'Égypte. Forum d'Ozas titre que la RDC a gagné en quart de finale en éliminant l'Égypte au terme d'un match plein de suspense. Les léopards ont finalement triomphé lors de la séance de tir au but. Un but partout et 8 à 7 buts de tir au but. Le gardien Lionel Passy, qui a évolué à Rhodes dans division française, s'est distingué en marquant les tirs au but décisifs. Début de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale, le défi de la législature 2024-2028. Voyons avec mediacongo.net qui rapporte que c'est lundi 29 janvier 2024, le couloir de l'Assemblée nationale résonne les débuts de la session extraordinaire inaugurable de la législature de 2024-2028. La session, cette étape charnière, dévoile une série d'enjeux qui tiendront les débats parlementaires dans les semaines à venir. Enfin, naufrage sur le lac Maïndombé, 4 nouveaux corps sont vie retrouvés. Et pour clore cette revue, actualité.cd renseigne que 4 nouveaux corps ont été découverts suite au naufrage survenu jeudi sur le lac Maïndombé entre le village Kenge et Inongo. Il s'agit de 3 femmes et une fillette déjà inhumées après leur découverte. Les 2 premiers corps ont été retrouvés vendredi au village Kisengo, puis acheminés et enterrés à Inongo. La fillette a été retrouvée samedi et une autre femme le dimanche. Selon les informations du ministre provincial et gouverneur intérimaire de Maïndombé, Jerry Mwantoto, actuellement, 2 corps restent introuvables parmi les 23 passagers qui étaient à bord de cette embarcation. On compte provisoirement 16 rescapés, 5 morts et 2 disparus. C'est la fin de la lecture de nos journaux. Merci Diane Mongo pour la lecture de ces journaux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin.